For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone, I was blind. So now that I found what I want. Hello mes sisters, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien, grâce à Dieu. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, mes sisters, on va nettoyer un peu la maison. On va d'abord nettoyer la maison pour rendre la maison propre. Vu que la semaine, tout le monde sort, mes sisters, et le soir, là, pour garder le rythme, en tout cas, même si je suis fatiguée, mes sisters, j'essaie de faire le minimum. Donc là, on va se motiver pour nettoyer un peu la maison, c'est ça. En tout cas, toi, sister, si c'était la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi, c'est Karine, je suis maman de 4 garçons. Et donc, sur ma chaîne, je partage les vidéos de motivation ménage comme aujourd'hui, la décoration, les recettes, l'organisation. En tout cas, si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout, n'hésite pas, abonne-toi et sonne à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Et moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous d'amour. Que Dieu vous bénisse. Donc là, on se motive les mamans. Go! Là, mes sisters, je vous montre un peu l'état de ma cuisine avant de nettoyer. Donc, l'état à laquelle on laisse la maison le matin. On peut oublier que c'est comme ça qu'on va le trouver. Là, on a fini de prendre le souper. Voilà. Et maintenant, on va nettoyer. Hein? On va nettoyer tout ça. Vous voyez là? On va nettoyer tout. Voilà. Et donc là, on n'a pas jeté les poubelles. Je m'en occupe. Ensuite, je vais juste ranger les clémentines là. Sinon, on va s'occuper un peu de tout ça. Regardez la vaisselle. Voilà, on va nettoyer tout ça. Donc là, pour commencer mes sisters, j'ai commencé d'abord par le salon. Voilà, donc je me suis dit que je vais commencer par ranger les coussins. En regardant, je me disais que c'était pas vraiment sale. Et ensuite, quand j'ai commencé à ranger les coussins, je me suis rendu compte, mes sisters, quand on a des enfants, vraiment, vous pouvez imaginer les dégâts. Donc du coup, il y avait des taches sur les canapés. Ben, du coup, je me suis dit, ce soir, je vais pas sortir la champenoise. Donc je vais juste... essuyer mes canapés avec mon astuce que vous connaissez déjà pour les anciens. Et je sais qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne maintenant. Déjà, je tenais à vous dire un grand merci, mes sisters, pour votre soutien, pour vos abonnements. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour vos partages. Même quand je postais pas de vidéos, vous étiez toujours là, mes sisters. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc, du coup, ce que je veux faire, mes sisters, je vais prendre un bol. Et dans le bol, j'ai mis du liquide vaisselle, ensuite avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude. C'est ça que je vais nettoyer le canapé. Et donc là, j'étais en train de regarder une vidéo de ma sista Sarah VIP. Elle avait faim en poisson, mais vraiment, ça m'a donné envie. Heureusement que j'avais déjà mangé. Je me suis dit, heureusement que j'ai déjà mangé, c'était tellement bon. Voilà, donc je profitais de regarder la vidéo et en même temps aussi, je faisais mon ménage. Et donc là, je vais frotter mes canapés avec ça. Si ça vraiment, ça rate en poisson là, ça donnait vraiment envie. Et donc là, c'est parti pour le nettoyage. Qu'on pouvait constater que c'était pas vraiment sale. Mais quand il y a des taches comme ça, mais c'est ça, je le nettoie comme ça avec cette astuce. Et quand je sens que vraiment les canapés, elles sont vraiment sales, une à deux fois dans le mois, mais c'est ça vraiment, je nettoie avec ma championneuse, voilà. Et donc, surtout ces derniers temps, mes sisters, maman, elle n'a pas vraiment le temps comme avant, là. Et donc, du coup, le soir, moi, je ne fais pas le ménage du soir tous les jours que moi. Deux fois, on partage des tâches, voilà. Après le repas, les garçons peuvent débarrasser. Papa peut m'aider à passer un peu le balai ou bien les garçons. Voilà, on essaie de partager les tâches avec papa aussi en faisant participer un peu les enfants. Et donc ce soir-là, les enfants, ils avaient des devoirs à faire. Donc du coup,
Papa essayait de régler ça avec eux en haut. Et moi, du coup, je me suis dit, ben, laissez, je veux tout nettoyer. Et aussi, je veux faire une vidéo. Je vais motiver mes sisters. On va se motiver ensemble. Voilà. Et donc, mes sisters, mon absence sur YouTube, vous voyez, ça fait vraiment un moment. Mais je vous dis, mes sisters, j'ai des objectifs à atteindre. Vous savez, dans la vie, on a des projets. On vit avec des projets. Et il y a des moments où, en fait, que on a des sacrifices à faire. Ben, tu vas dire que tu peux pas être partout. C'est pas possible. Le peu de temps que j'ai quand je rentre chez moi à la maison, ben, je m'occupe de mes enfants. Et aussi, vous savez, vous-même, les papas, c'est comme des bébés. Donc, il faut aussi avoir le temps pour papa. Et donc, du coup, mes sisters, c'était pas possible de tout embrasser en même temps. J'étais obligée de faire une pause sur YouTube. Vraiment, si vous me dites que pourquoi tu n'as pas informé et tout, mais c'est ça, je ne savais même pas quand est-ce que je vais avoir la force de faire une vidéo. Donc voilà, j'avais des vidéos avec moi, mais c'est ça, mais c'était pour faire le montage. Je n'avais pas le temps. Faire le montage, ça prend du temps. Et quand je rentre à la maison, mais c'est ça, vraiment, j'ai beaucoup d'enfants. Donc du coup, ça demande du temps. J'ai des enfants en bas âge, ça demande du temps. Pour l'équilibre dans la maison aussi, vous savez, j'ai besoin de rester aussi, prendre du temps avec papa. Chose que, mais c'est ça, ce temps-là, faire des vidéos, ça prend du temps. Et les vidéos, j'en avais, mais faire les montages aussi, ça prend du temps. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, je m'excuse vraiment. J'ai eu beaucoup de messages de votre part, mais c'est ça. En tout cas, je suis désolée. Je ne vous ai pas abandonné comme les autres m'ont dit, franchement. Non. Et donc là, mes sisters, après avoir passé une longue journée, mes sisters, et donc là, quand je fais mon ménage, comme vous le savez déjà pour les anciens, que je profite toujours en même temps, soit d'écouter l'adoration, et là, je profite de suivre en fait une vidéo de Pasteur Jérémy que j'avais pas regardée sur Prière Inspirée. Donc, je profite de le regarder aussi et en même temps, je suis concentrée, hein, j'écoute bien tout ce qui se dit dedans et aussi je me motive à nettoyer les enseignements. Mais si c'est vraiment, ça nous rajoute un plus, voilà. Ça nous permet de continuer à garder la foi, de continuer à avoir la sagesse, une vie de prière. Vraiment, moi, j'aime bien écouter mes prédications comme ça en faisant le ménage. Ça ne me dérange pas du tout, je ne suis pas perturbée, je regarde. Et voilà, donc en même temps aussi, s'il y a des versets, ben, eux, ils lisent. Et quand je vais me retrouver dans ma chambre, ben, j'aurai un temps de méditation. Voilà, donc c'est ça. Et donc ici, mes sisters, comme je vous disais, qu'il n'y a pas que moi qui fais le ménage le soir, vite fait. Voilà, quand c'est papa ou bien Yaya, les petits, ben, eux, ils ne vont pas aller sur les détails comme moi. Ben, ils vont nettoyer souvent, c'est juste là où on a mangé, la cuisine. Et ensuite, la table à manger, le salon, ranger les coussins, vite fait. Voilà, donc le reste comme ça, le soir, j'essaie de déplacer quand je sais que vraiment, ça fait au moins 2-3 jours que moi-même, je n'ai pas touché. Et quand je touche comme ça, j'essaie de regarder un peu les autres détails. Surtout que si les week-ends, ils sont déjà programmés, mais si on avait soit des activités à faire ou des courses. Du coup, voilà, c'est un peu ça, la vie de maman. Je vais venir juste ranger la table à manger comme ça et ensuite je vais passer le balai. Donc les chaises vraiment n'étaient pas sales, donc je vais juste tirer un peu quelques miettes qui étaient sur le tapis. Voilà, et on continue, on se motive. J'espère que la vidéo va aussi vous motiver, mes sisters, vraiment. Yeah. A song is running like a river.
Donc là, une fois que j'ai fini de nettoyer, maintenant je veux prendre ma serpillière Velleda. Je vais passer la serpillière dans la maison, voilà, comme ça mon sol va rester tout propre. Et donc là, pour ce meuble et ma cuisine, je vais utiliser ce produit Pink qui nettoie super bien mes sisters. Pour ceux qui sont au Canada, vous allez le trouver à Maxi, sur Amazon, c'est quand même cher. Sinon, en France, vous l'avez aussi chez Action, voilà. Chez Action, franchement, c'est vraiment moins cher hein, quand je regarde les vidéos des autres. C'est à 2,99 $ si je ne me trompe pas. Mais nous, ici au Canada, on le prend à Maxi à 7,45 $ si je ne me trompe pas. Et sur Amazon, il est quand même à 21 $. Donc, vous pouvez constater que le prix sur Amazon, il est quand même cher. Donc, si vous avez Maxi à votre côté, sinon, profitez. Sinon, ben, pour ceux qui ne sont pas au Canada, en France, Belgique, Allemagne, vous allez trouver ça chez Action, mes sisters. Et donc, aussi là, je vais terminer maintenant par la cuisine parce que j'avais des assiettes qui étaient sales. Donc, au niveau salon, j'avais commencé au salon parce que je me disais que c'était moins sale. Donc du coup, je vais mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, je vais lancer le lave-vaisselle et le sol, en fait, tout ce qui est balai et serpillière, je vais le passer hors caméra, voilà, pour gagner du temps, mais c'est ça, hein, sur le soir, hein, donc maman va rejoindre le lit aussi rapidement, là. Et donc du coup, je profite en même temps de nettoyer aussi hors caméra, mais c'est ça, sinon la vidéo devait être vraiment longue. Et donc du coup, après, je vais passer... ici, essuyer un peu les placards de cuisine, voilà, là où les enfants ont touché un peu de partout. Et ensuite aussi la gazinière. Et donc là, je constate que vraiment, il y avait les saletés qui étaient un peu collées sur la plaque. Donc du coup, je prends ma grattoir. Je vous mettrai le lien sur la barre de description. Je l'avais pris à 10 $ sur Amazon. Et ça vient avec 10 lames. Et c'est pas vraiment cher. Hein. Entre 7 $ et 10 $ comme ça. Mais je vous assure, mes sisters, ça nettoie vraiment bien. Pour enlever la saleté sur la gazinière, c'est vraiment top, vous pouvez le constater. Et donc du coup, une fois que je finis de nettoyer ma plaque, du coup, je vais faire la même chose avec mon bouilloire. Et là aussi, je vais nettoyer. Là pour mon frigo, mes sisters, là dans cet récipient, j'avais mis de l'eau avec du vinaigre blanc. Je le nettoie mon frigo avec, je trouve que ça nettoie super bien. Quand j'utilise le produit Pink, je trouve que des fois ça fait un peu des traces. Donc du coup, là sur mon frigo et le lave-vaisselle, j'aime vraiment utiliser le vinaigre blanc juste avec de l'eau. De préférence, mes sisters, moi j'utilise le vinaigre blanc ménager pour le ménage. Voilà, donc... c'est plus mieux en fait quand on fait le ménage d'utiliser le vinaigre blanc ménager parce qu'il y a deux sortes de vinaigre blanc, voilà, donc il y a l'alimentaire pour nettoyer les ingrédients et tout. Et donc là, je vous montre le résultat une fois que j'ai terminé, mais c'est ça, ma cuisine là, elle est propre, la maison elle est propre, franchement je peux aller dormir tranquillement, je vous dis là. Donc là, vraiment, je suis contente. Là, la maison, elle est vraiment propre. Et c'est ça, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas de me laisser les commentaires, de partager et surtout de liker.
De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.